Ndaye Mulamba was born in 1950 in Kananga, an eastern province of the Congo. Hey mama, yo musika ye. Hey mama, yo musika kibonge. Hey mama, yo musika ye. Hey mama, hey musika kidumo. Okoti libala na mungalema. Hey mama, yo musika ndaye. Il chantait tous les jours. Moi, je suis né à Kananga le 11 avril 1950. Pierre Ndaye Mulamba. Il a beaucoup de surnoms. Hein. On l'a appelé Mutumbula, on l'a appelé Volvo. Il a eu beaucoup de surnoms. Ndaye Mutumbula. Mutumbula, son nom, c'est Ndaye Mulamba. Mutumbula, ce sont les sobriquets qu'on lui avait donné parce que quand il a le ballon, vous, le Mutumbula, c'était comme un fantôme. Quand il prend le ballon, c'est fini. Long balle destinée, c'est de l'égalisation. Ndaye, jusqu'à aujourd'hui, il est resté immortel, comme on dit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore égalé le record de 9 buts hein, qu'il a eu à inscrire lors de la Coupe d'Afrique des Nations 74. This is a story of a shining star that's shadowed by issues of being African, being poor, being sidelined. Tu vois, les parents à cette époque-là voulaient tout d'abord faire des choses, des études. Et puis ils avaient peur que si vous allez jouer avec les grands, ils vont te casser la jambe. Je suis parti. Demain, je suis parti. On m'a dit, oh, tu vas venir au veiller. Tous les joueurs vont dormir ensemble. Toi, tu vas... Moi, j'ai dit que non, à la maison, ça ne va pas. On ne peut pas accepter. Ils m'ont dit que bon, rentre, dors bien. Et demain, à 8 heures, tu dois être ici. L'équipe qu'on jouait avec, c'était la grande équipe de la province Tshinkunku. On a commencé à jouer. J'ai marqué 2 buts. And so began an epic battle for Ndaye to enter the world of football on an amateur level. His father dead set against it, preferring his son to concentrate on his academic life. Pour partir à Kinshasa, il y avait encore un problème avec mon père. Il ne voulait pas. On est allé dire au gouverneur, bon, là, il n'est pas parti parce que son père ne voulait pas. Ndaye's heart was set, and so it seemed were other powerful forces in Zaire. Mobutu Sese Seko had a direct interest in the development of football and often controlled its progress. Il y a le garde du corps du gouverneur qui vient là. Il lui a demandé, toi, tu veux que je gaspille mon travail à cause de toi? Oh, comment, chef? Non, toi, ton enfant est appelé à Kinshasa. Toi, tu refuses. Je vous dis, demain, j'envoie le véhicule ici. Il te prend, toi et ton enfant. Tu vas aller laisser ton enfant à l'aéroport prendre l'avion à la Kinshasa. Bon, je suis allé dire à mes amis, demain je pars. Oh, mais ton père m'a dit, demain je pars. So began Ndaye's journey to become Africa's foremost goal-scoring striker. Bon, Ndaye pour nous, pour moi c'est une légende vivante. C'est Ndaye qui est en fait une véritable légende. Quelqu'un qui a, comment dire, occupé notre jeunesse. Je l'ai connu, on était tous jeunes, on est d'une même génération, rassurez-vous. Mais moi j'étais encore aux études et j'étais reporter en même temps que j'ai fait mes études à la station provinciale de Kananga. Et lui jouait déjà au football, il a commencé, on l'a vu, dans les matchs intercommunaux d'abord, et puis plus tard quand il a commencé dans le football des beautés, dans l'équipe de Tshinkunku. Et comme nos beautés, c'est un monsieur qui était recherché par tous les quartiers et qui était assoiffé de victoire.
Il s'est disputé pour qu'il aille marquer pour leur équipe. Et quand il a, dans sa maturité, dans son adolescence plutôt, et c'est l'équipe de Chinkunku qui a gagné son affiliation. Ndaye was selected for the national Zairean team, the Leopards, in 1973, and played the qualifiers to enter the FIFA World Cup in 1974. C'est à ce moment-là, il y avait la coupe du Zaïre, Chinkunku vite. On est allé à Kinshasa, on a battu vite. C'est là où les dirigeants de Vita, le pauvre entraîneur Kalambay a dit que il faut ce jeune. C'est le match qui a fait le plus grand succès de l'équipe de Chinkunku parce que Chinkunku avait battu V-Club ici à Kinshasa. Et V-Club était en très grande forme. Et c'est à partir de ce moment-là que les V-Clubiens avaient juré de prendre Ndaye, tôt ou tard. Meilleur buteur de tous les temps, que ce soit avec sa prestigieuse équipe de V-Club, que ce soit dans l'équipe nationale. Il a battu tous les records en matière donc, de buteurs dans les championnats locaux, dans les championnats nationaux, dans les championnats au niveau de l'Afrique. V-Club, si vous voulez, une machine. En fait, V-Club était supporté par le président de la République lui-même. C'est lui qui donnait un peu de moyens en dessous des tables. Et vous voyez, quand il s'agissait de V-Club, il suffisait qu'on lui dise qu'on a besoin de tel élément, il finançait. Ah bon, avant tout qu'on ait Nakan, tout cela qui surtout que tout qu'on soit coupé, ça c'est vrai. Tout qu'on ait que l'important c'était de participer parce que tout ça est déjà qualifié à la coupe du monde. Ndaye was selected for the national Zairean team, the Leopards, in 1973, and played the qualifiers to enter the FIFA World Cup in 1974. Quand on a le Paris, ils avaient vraiment dit, ils avaient recours à une université à football pour sélectionner une équipe nationale, ils avaient facilité. Ndaye Azaraki est toujours négligé dans la composition. La composition est de base de l'équipe nationale. Le capitaine Azaraki Kidumu, ancien joueur à Imana. Pour être aillé, ils avaient difficile, tout comme qui en Égypte. Kemba Azaraki malade. Moi, je suis Azaraki. C'est pourquoi. It was the African Cup of Nations, 1974, and the Zairean national team, the Leopards, were under enormous pressure to perform for their country's president, Mobutu Sese Seko. The whole nation was behind them. Le premier match, c'était contre les Sénégalais nationales, et le Leopard gagne 2-0. Et le deuxième but est marqué par Ndaye. Et même, il m'avait dit que toi, tu n'es pas connu au niveau africain. Profite, tu vois, les Kakoko, les Mayanga, les Kubome, on les connaît parce qu'ils ont joué, ils ont fait. Et toi, comme on ne te connaît pas, profite. Tout ce que les consignes qu'ils m'avaient données, j'avais respecté. Alors nous gagnons le premier match contre la Guinée, le deuxième match nous avons joué contre le Congo-Brazzaville. C'était le match de défi parce que le Congo-Brazza était détenteur de la coupe. Et voilà que le Léopard perd leur premier match. C'était difficile parce que c'était un match de rivalité entre les deux Congos. Bout était fâché quand il attendait ça. Il a écrit, il a envoyé, on disait, ou bien la coupe, ou bien vous restez là. Tous les frères, c'était décidé, tu vois. C'est tout Mana. Mana pleurait. Mais je reste ici. Si on n'a pas la coupe, et ma famille, tu vois. Et le président de la République était au courant. C'est comme ça qu'il avait envoyé M. Mukolo Akpombo, qui était son conseiller spécial en matière de sécurité. C'était ça. Et nous tous, c'était une extraordinaire motivation. Et nous étions les premiers à comprendre la gravité de la situation. Parce que quand le chef de l'État dit « ou vous me ramenez la coupe, ou vous cherchez une autre destination », nous nous sommes dit « chacun de nous est concerné ». Le troisième match, il faut se ressaisir contre l'île Maurice. Nous gagnons 4-2 et Ndaye marque 2 buts. Dans 3 matchs, il avait déjà 4 buts. Alors l'apothéose pour cet attaquant qui est venu du Kasaï,
ce sera le demi-finale contre l'Égypte. Mais jour il y a match, il y a tournoi, on a les azako démarré, qu'on marqué babi, et ben d'accord impressionné, on a marqué c'est comment. Chaque jour, ceux qui ont marqué, ils ont été dans la chambre, ils ont été dans le lobby, non. Yo, aux autres, ça, bah, qui s'est nabino, bah, l'oubawa. Vanda, qu'on blague, albi, non. Parce que bien, vanda, qu'on néglige, c'est quoi, on a l'ingé à prouver, bien, ok, n'a mérité, mais vanda, tiens, gâté. Ça, c'est vrai. Nous, on devait nous déplacer, parce qu'on était à Alexandrie. On devait nous déplacer, aller à Kéas. Je vais pour jouer avec le pharaon, l'Égypte. C'est en compagnie des 35 à 40 000 spectateurs présents dans le stade Nasser au Caire que nous allons suivre une des demi-finales de cette 9e Coupe d'Afrique des Nations. Demi-finale qui oppose la République arabe d'Égypte au Zaïre. Nous étions maintenant 2-0 au Caire. Ndaye va marquer. D'abord, à la mi-temps, les Congolais, les Zaïrois de l'époque ne croyaient plus à notre qualification finale, parce qu'être mené 2-0 devant, face à l'équipe, au pays organisateur, c'était pas chose facile. Ah, je crois que les chances du Zaïre de remonter cet handicap sont bien minces. Attaque malgré tout par Mayanga, Mavouba, sur brochet de Mavouba, et peut-être... Peut-être le troisième but zéroir. Oui, troisième but zéroir. Marqué par Ndaye. C'est la consternation dans le stade Nasser. Bayele baye ko aligné, aye ko surprendre biso moko ba joueur. Na oyo ba oyo bazala ki contrayé, na staff technique, na gouvernement. In the 70s, during national and international football tournaments, there were no penalty shootouts, so the Leopards played the final twice within 48 hours. La finale, nous faisons 2-2 contre la Zambie, qui a éliminé le Congo Brazzaville. Et pendant lors de la finale, Ndaye marque le 2 buts de la première manche de finale. Nous faisons 2-2 contre la Zambie. Une grande équipe de la Zambie, je crois, entraînée également par un Yougoslave. Les deux finalistes étaient entraînés par des Yougoslaves. Idemou Ndaye, Ndaye aux prises avec le tapis. Ndaye, ça le passait. But du Zaïre par Ndaye. Les gens découvrent que cet attaquant valait bien son pesant d'or, il avait sa place. Et on a découvert un attaquant qui avait un sens inné de but, qui était rapide comme une éclair, qui savait mettre la défense adverse qui savait désarticuler la défense adverse et qui avait un sens inné de but. Bon, Yabari, c'est Chamak, se fait subtiliser le ballon par le petit Kidumo, Mayanga, Ndaye, en position de tir. Deuxième but pour Ndaye, but marqué à la 31e minute de cette seconde mi-temps, c'est-à-dire à la 76e minute de cette deuxième finale de la 9e Coupe d'Afrique des Nations. Tous les quatre buts de la finale, c'était moi qui avais marqué. Le 2-2, j'ai marqué le 2 et le 2-0, c'était moi. Et il devient le buteur, le recordman de buteur en une seule édition. Jusqu'à aujourd'hui, ce record n'a jamais été battu. C'était un joueur qui était capable de changer le destin des matchs, même dans les moments les plus cruciaux. Mboula est sacré meilleur buteur du tournoi final pour avoir réussi 9 depuis 1974. The Leopards came back from Egypt victorious, and the players were celebrated around the country and the continent. Et voilà, même vous-même, si vous gagnez. On est arrivé à 10h, on est allé
à la résidence de, arrivé à la résidence du président à 17h. It wasn't all easy after winning the African Cup of Nations. As African champions, the Leopards found themselves trapped and caught up in a web spun by Mobutu's total control of football. Tu vois, nous on était enfermés. Tu vois, Mobutu ne voulait pas que nous on sorte, qu'on aille jouer ailleurs. Même nos petits frères, nos enfants qui viennent maintenant, qui vont maintenant jouer à l'étranger, il peut dire grâce à Lucien Timpumpo. Tu vois, ici, pour avoir l'argent, tu vois, avec la conjoncture d'ici, l'honneur que j'ai fait ce pays, et d'autres qui ont fait comme moi dans leur pays, sont quand même respectués, ils sont bien. Moi, comme si j'avais fait du mal au pays, que je deviens à ce niveau. The Leopards of Zaire had succeeded as the first sub-Saharan African football team to qualify for the FIFA World Cup, held in Germany in 1974. Le président Mobutu a fait le tour du terrain de football où les Léopards devaient se produire. Alors dans notre délégation, il y avait des gens qui avaient des herbes indigènes. Vous voyez nos croyances, hein? Alors quand ils arrivaient devant, derrière, les poteaux. Le gol, le bois. Alors, on jetait des poudres, on jetait avec. Vous savez, d'après nos croyances. It was a difficult encounter for the team on the world's premier football stage. Ba Mindele, ba sepela kite qualification ya biso Afrique noire. Ba linga kita toti ata bimo kote biso wa noir. Et to koma en Allemagne, ba sepela kite. Fallait au moins année wazako tala biso. Soko pesi mundele mbo na mbote atale pelo loboko na soko tiki ba noir o sanango. Que nous avons toujours commis une grosse erreur dans ce pays, c'est de croire que les motivations ne servent à rien. Parce que d'abord, les cotisations qui avaient été faites sur l'ensemble de la République en faveur des Léopards, toutes les couches sociales, tout le monde, les patrons, les ouvriers, tout le monde avait cotisé de l'argent. C'était beaucoup, beaucoup d'argent. Imagine sur l'ensemble du territoire national. Et les Léopards, les joueurs n'ont jamais touché un seul franc de tout cet argent. Donc c'était avant Munich. Alors, vous comprenez que lorsque vous fonctionnez comme ça, avec des coups tordus de ce genre-là, vous ne permettez pas aux gens qui doivent vous honorer, qui doivent vous apporter des motifs de satisfaction de faire correctement leur travail. Voilà un peu comment nous avons perdu à Munich. Et je crois que c'était pas voulu. Et quand nous avons perdu 3-0 contre l'Écosse, je ne sais pas, 2-0 contre l'Écosse, c'était un match qui était à notre portée. Mais on sentait effectivement que nos joueurs ne forçaient pas du tout. Et que c'était un signal qu'ils envoyaient à l'entraîneur et aux dirigeants de sport qu'ils n'étaient pas contents de la manière dont ils avaient été gérés. Il était certainement un des plus connus à travers l'Afrique. Et il est tombé dans la misère où il est tombé, effectivement. Mais c'est scandaleux. C'est honteux pour un pays. D'oublier des gens, d'oublier les gens qui ont façonné son image dans le monde. Malheureusement, je crois que si vous prenez en termes statistiques les joueurs qui sont retrouvés dans son cas ou qui sont peut-être moins talentueux ou moins connus que lui, vous allez trouver qu'en fait, ils finissent toujours de la même manière. South Africa was preparing to host Africa's first FIFA World Cup and the excitement was tangible. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud organise la Coupe du Monde. Première nation africaine à organiser la Coupe du Monde. Mais on devrait également et en même temps fêter la première nation au sud du Sahara à avoir représenté l'Afrique à la Coupe du Monde. Mais qui ont fait partie de cette équipe-là? Mais ce sont ces messieurs qui sont abandonnés. Moi, je ne suis pas éloigné du football. Moi, j'ai dit que le football, c'est ma vie. It's just a special moment for us. Vraiment,
je ne sais pas quelle joie que j'ai, je peux vous montrer. Lorsque j'ai entendu que la Coupe du Monde sera organisée en Afrique. This man still holds the record for the highest number of goals. He scored 9 goals in the African Cup of Nations. It is a simple thing to say thank you very much for what you've done. And if someone says that, you can imagine what a youngster is going to start thinking, to say, wow, this man, I'm what I am now because of the efforts, the contributions of people like him that have gone out to put Africa on the map. Ce sont des icons, ce sont des symboles du pays, ce sont des symboles de l'Afrique. Les gens disaient que Ndaye est mort. Parfois, je donne le témoignage aux gens que non, Ndaye n'est pas mort. Moi, j'ai des photos, je sors des photos avec Ndaye. J'ai une anecdote que je pourrais lui raconter. Il y a 40 ans presque, je ne sais pas s'il se souvient encore. Un bon matin, je suis allé vers club jouer avec une équipe ici au stade Rennes-Astide, qu'on appelait à l'époque stade du 24 novembre. J'arrive, j'avais un ami avec moi. On arrive au stade, je ne suis pas rentré. Tout enfant que j'étais, il me manquait les billets pour pouvoir trouver les quelques makuta qu'on me demandait à l'époque pour acheter les billets. Donc j'ai tournoyé dehors avec mon ami et je vois la grande star, la vedette Ndaye Mutombula qui arrive avec sa passade, il descend et il commence à chercher pour sécuriser son véhicule, qui peut garder cette voiture-là. Et moi, j'étais avec mon ami, Ndaye nous a fait signe, nous sommes allés là, on a dit, nous, on peut garder votre voiture. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ouvert la passade, il nous a mis dedans, moi et mon ami, il a fermé, et pour nous, c'est une grande joie, au lieu d'aller voir le match. Ndaye met up with Kazadi Chishishi, an executive chairman to Vita Football Club. Mais ce que je peux dire de Ndaye Mutombula, c'est quoi? Ndaye Mutombula a fait sa carrière de football normal. Normal, j'entends, il a commencé petit, dans les petites équipes, il est monté. Il a été remarqué, il a fait partie de l'équipe nationale plusieurs fois, sélectionné, jusqu'au moment où il nous a amené, il a apporté la Coupe de l'Afrique à la République démocratique du Congo. Avec lui. Et depuis, c'est resté dans la mémoire de tous les Congolais de son apport important. Il a fait connaître la République démocratique du Congo. La délégation a joué et comment qui est le premier sur l'Allemagne avant la délégation officielle. Tumoni Kaka, secrétaire et administratif à FIFA,
azakuluka biso atuni biso a délégation officielle ezawapi secrétaire azawapi tolobike délégation officielle est commune à noter. Finalement, une délégation officielle conduite par le ministre Sampasa est commune. Baké Kuna va contacter Banco et tout ça. Mais après match, Vidinik a tourné Bango. Bouzouaki Mbongo. Bango va répondre que c'était Mbongo et Zate. Au moins, il place au déjà. Moral et Bandaki déjà. Nous avons déjà que tu as la vie longue, on y te ressemble. Cette équipe déjà, j'étais avec le ministre Sampasa. Et quand nous arrivons, l'entraîneur Vidnik dit à Sampasa, Sampasa fait d'abord une petite réunion. Ça, c'est un peu pour vous dire l'ambiance dans laquelle, l'ambiance qui a précédé la défaite de Léopard. Et l'ambiance qui a précédé, en fait, la démotivation des joueurs. Lorsque Sampasa arrive, Fidinik lui dit, monsieur le citoyen commissaire d'État, je suis content que vous soyez arrivé. Maintenant, les enfants vont bien travailler. Faites seulement ce que vous devez faire. Et Sampasa dit, non, dites aux enfants de faire le travail. Le reste, on va voir après. Et effectivement, il avait amené beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent. La République avait mis vraiment le paquet. Je suis un peu plus de temps. À la Coupe du Monde. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. On dirait que tu as une Coupe d'Afrique, tu es là. Tu fais ça honneur dans Mboka. Est-ce que honneur ou tu fais ça qui? Et tu es là pour la Bissot ou bien pour la Mboka, mon vieux? Mais peut-être, comme on dit, que nul n'est prophète, c'est peut-être ça qui explique ce qui nous arrive. Mais je pense, moi, que ceux qui auraient été les premiers à comprendre que c'est une légende, ce sont ceux qui dirigent le football national. Or, malheureusement, c'est là où il y a l'opinion la plus négative à l'égard de Ndaye. Ndaye and General Amissi Tango Fort, manager of the Vita Football Club, meet for the first time. The general is happy to meet Mutumbula, the best striker in Vita Club's history. Bon, vous savez, ce n'est pas nécessairement Ndaye lui-même, c'est tous les anciens joueurs de leur époque qui méritent une récompense. Et c'est ça aussi, c'est la politique du sport de notre pays. Et moi, je pense que les autorités sportives ils doivent chercher à comment récompenser, encadrer des monuments comme Ndaye. Il faut multiplier les dialogues. Il faut que les responsables de notre fédération, les responsables du ministère des Sports viennent et comprennent que ces gens-là, on doit au chapitre, on peut les utiliser. Ils ont été pour beaucoup dans la promotion du sport en général, du football en particulier. Quoi de plus normal que ce sont des capitales, des ressources humaines qu'il faut utiliser pour la promotion du sport. Qui ne s'est pas mis debout ici? Dans ce pays, celui qui était encore, qui ne s'était pas mis debout quand il a marqué le deuxième but qui a donné la Coupe d'Afrique au pays, qui ne s'était pas mis debout. Voilà, c'est un grand dilemme pour nous. C'est